Bon voilà, on se retrouve. Alors du coup actuellement je suis en plein nettoyage. Alors le dessous, comme vous pouvez voir, bien nickel. Le côté a bien été rattrapé comme vous l'avez vu. Donc il commence à être bien noir. Là je vais rattraper, c'est le gras comme vous pouvez voir ici. Après l'intérieur qui est bien bien dégueulasse. Le joint qui tire un peu la tronche, j'aime beaucoup. Hein, on peut le voir. Après là j'ai aspergé d'acide citrique et là je suis en train de bien bien nettoyer le joint parce qu'on peut voir en fait que c'est moisi. Voilà, alors il y a énormément de boulot. Et une fois en fait que ce sera fait, vous allez voir en fait le résultat final. Alors il me reste ici, voilà, comme on peut voir, le bord ici. J'étais une qualité de témoin. Voilà, on peut voir en fait au niveau d'ici que c'est bien bien crasse la qualité de monsieur bataire. Voilà, au niveau d'ici, ça vise bien cracra. Le côté bien dégueulasse qu'on peut voir, au niveau d'ici, les taches là et tout ça. Le côté aussi. Voilà, et après la façade, là j'ai commencé à lui claquer un bon coup de nettoyage. Et voilà. Après, ben, l'intérieur reste assez propre. Le filtre est dans un état, vous pouvez voir, dans un état de dégueulasserie, même de moisissure. Alors lui il va faire un bain dans la javel. On peut voir sur le côté, c'est au niveau de là. Voilà. Alors une fois que ce sera fait, une vidéo de sa mise en route. Et voilà, je vais même laisser vite fait là comme ça. Voilà, voir si le vidange, normalement il n'y a pas de souci, hein, mais juste voir comme ça. Voilà, je vous ferai une vidéo quand sa mise en route se fera complète. Voilà. Alors à tout à l'heure ou à demain.